Guingamp 5e accueille Tours 13e. Rien ne se passe en première période. Voici le début de la seconde période où tout va se passer dans ce match avec quantité d'opportunités pour les Guingampais, notamment Thibaut Giresse en bonne forme. Des Guingampais privés de Martins Pereira et Imbula suspendus et qui multiplient les opportunités sur le but tourangeau. Des Tourangeaux pourtant en forme, 3 victoires sur les 5 derniers matchs, mais qui subissent énormément. Encore un ballon qui n'est pas loin de rentrer dans le but tourangeau. Les Guingampais attaquent, des Guingampais sur 3 victoires consécutives, mais qui ne réussissent pas à ouvrir le score. En toute fin de match, l'arbitre va se précipiter vers un joueur Guingampais. C'est Thierry Argelier qui va prendre un carton rouge pour cette faute. Tout le monde croit au pénalty, mais l'arbitre va donner un coup franc. Argelier est exclu dans les arrêts de jeu du match, mais pas de conséquences pour Guingamp, car il n'y a pas de pénalty. Les Tourangeaux le réclamaient, il y aura un coup franc, c'est à l'extérieur de la surface. Ce coup franc ne donnera rien, score final 0-0.